Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide. Je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde mon œil ouvert quand je suis dans mon lit. Plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de zoo, c'est plus rare. C'est pas souvent que les pingouins se barrent. Les gardiens de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Il finit toujours par s'échapper. Donc on va commencer par mettre un capot en troisième case. Pour le couplet, ça va être mi mineur, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Do. Là on part de la cinquième corde, 3, 2, 0, 1, 0. Et 6, 7. Donc là, on part aussi de la cinquième corde. 2, 1, 2, 0, 2. Pour le rythme, on va faire bas, bas, haut, haut, bas. Donc mi mineur. Encore mi mineur. Do. Do. 6, 7. 6, 7. Do. Et 6, 7. Ça, c'est le couplet qu'on va faire deux fois. Donc, je répète les accords. Mi mineur, do, do, si, sept, si, sept, do, si, sept. Ensuite, le refrain, bah, c'est quasiment les mêmes accords. Donc, on commence par do. Alors là, ça va être par contre une mesure chaque accord. Do, si, sept, mi mineur, et encore mi mineur. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie du refrain, la mineur. Donc là on part de la cinquième corde, 0, 2, 2, 1, 0, 6, 7, mi mineur. Et là on va faire mi 7. Donc là mi 7 ça va être partir de la sixième corde, 0, 2, 2, 1, 3 et 0. Donc la deuxième ligne du refrain, la mineur, 6, 7, mi mineur. Mi 7. On continue, la mineur, 6, 7, la mineur, 6, 7, la mineur, 6, 7, et ensuite ça sera fini, il y aura les petites harmoniques, ici à la 15e case. Voilà, donc le refrain, je refais Do, 6, 7, Mi mineur. La mineur, 6, 7, mi mineur, mi 7, la mineur, 6, 7, la mineur, 6, 7, la mineur, 6, 7, et les harmoniques. Alors pour faire les harmoniques, on effleure la corde. Alors ici, comme il y a le capot, on fait 12 cases plus loin, donc ça va être la 15e case, puisqu'on a mis le capot en 3e case. Et on va poser le doigt entre la 15e et 16e case, et on va effleurer la corde. Voilà, quand on lâche la corde, ça continue à résonner. Et donc on va faire ça sur la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième.